trop de la base, les vacances. Ouais, oh, trop génial. Et salut, comment tu vas, Laurent? Salut, Paul, et toi? Trop bien. Ouais, franchement, trop, je suis cool. Trop contente d'être en vacances. Ouais, moi aussi. Et en plus, tu sais quoi? Tu sais quoi? Quoi? Ah ben, la maîtresse, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Vive les vacances. J'ai un super truc à te proposer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça t'intéresserait de venir avec mes parents et moi en vacances? On va aller à la Côte d'Azur. Tout ça, il y a la mer, il y a les cocotiers, il y a tout ce que tu veux. Et aussi, on va faire un tour en bateau et on va pouvoir aller naviguer, nager dans la mer. Ça va être trop de la balle. Oh, mais c'est dingue ou quoi? T'as craqué ton slip? Ben pourquoi? Si tu vas à la mer, tu verras que les bateaux, au bout d'un moment, tu les vois. Et tout d'un coup, tu les vois plus. Et alors? Eh ben, ça veut dire qu'ils sont tombés dans le vide. T'es fou, moi, je veux pas mourir, je viens pas à la mer avec toi. Mais si moi j'ai craqué mon slip, toi t'as craqué quoi? T'as craqué la terre ou quoi? La terre, elle est ronde. On t'a jamais appris ça? C'est marqué partout. Les scientifiques l'ont dit, même ceux qui sont allés sur la lune, ils ont pris des photos de la terre. Et la terre, on l'a tous vue, elle est ronde. Et en plus, tu sais quoi? C'est marqué dans la Bible que la terre est ronde. Ouais, moi je doute ça. Franchement, je doute de ce que vous me disiez là. Toi, tu parce que tu sais quoi? Ce que moi je vois, c'est que quand tu vas à la mer, tu vois une ligne et après tu vois plus les bateaux, tu vois plus rien. Donc ça veut dire que la terre elle est plate. Alors ce que vous dites, moi j'en doute. Je suis pas d'accord. N'importe quoi. Écoute, tu sais quoi, Paul? Laisse tomber. Moi je vais en vacances pas avec un fou comme toi qui croit que la terre est encore plate. Toi, t'es vraiment incroyable, hein? Bah, c'est ça, vas-y, salut. Allez, toi, viens. Quand on est à l'école, toi? N'importe quoi, celui-là. Oh là 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 là, il y a des gens, ils croient ces choses, hein. Ils croiraient n'importe quoi. Pff, moi, je doute vraiment de cette histoire, la terre, elle est ronde. Mais d'ailleurs, peut-être qu'elle n'est même pas plate. Peut-être que c'est peut-être un triangle, j'en sais rien, moi. Bon, du coup, je vais faire quoi pendant mes vacances? Ah, c'est vrai que s'il part, je vais un peu m'ennuyer, hein. Tant pis, je vais jouer au bi. Vous pensez tous que la Terre est ronde, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que vous le pensez. Mais en tout cas, si ce jeune homme avait lu ce que la Bible dit et cru ce que Dieu dit dans sa parole, eh bien, il aurait su que la Terre, elle est ronde. Alors, vous avez vu que le doute, il se situe souvent au niveau de la tête, hein. Parce que souvent, le doute, il commence dans les pensées, hein. Moi, je crois vraiment pas que ça puisse exister. Je pense pas que Dieu puisse guérir. Je pense pas que Dieu puisse intervenir dans ma vie. Je pense pas que Dieu ait dit que la terre était ronde, etc., etc. Et puis, on a vu le prochain fardeau, le prochain poids qui peut nous empêcher de nous approcher de ce que Dieu veut faire. Il est d'ailleurs tellement lourd que ça a déchiré la feuille. C'est l'égoïsme. Hein, vous vous rappelez de ce qui a été dit hier sur l'égoïsme? Mais je voudrais qu'on regarde une scène d'égoïsme ce matin. Sébastien! Sébastien! Oui, Sébastien! Oui, mamie, j'arrive! Oh là 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 là! Salut, mamie! Bonjour, mon petit! Alors, tu vas bien aujourd'hui? Oh, mon dos! J'ai la main à ma gauche, j'en peux plus, j'ai tellement mal! Mais mamie, alors, c'est vrai que tu fais un drôle de tête, tu dois pas, je pense. Justement, c'est pour ça que je t'appelais. Ah oui? Pourquoi? Tu sais, j'ai plus rien dans mon frigo, mon enfant. Il faudrait que tu ailles, s'il te plaît, me faire des courses. Faire des courses? Mais j'ai pas vraiment le temps, mamie. Tu sais, moi j'ai des copains, ils m'attendent. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Comment ça? Tu laisserais ta pauvre grand-mère dans la souffrance? Il faudrait que j'aille faire des courses moi-même, alors. Bah ouais, ça te fera un peu marcher, peut-être ça ira mieux pour ton dos. Oh là 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 là, va-t'en, petit ingrat. Mais mamie, mais tu sais, moi je suis jeune, moi je vais voir mes potes, je vais aller m'amuser, quoi. Oui, tu es un petit égoïste, va-t'en. Mamie, alors, bon, tant pis, hein, bonne journée, salut. Oh là 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 là, quel ingrat. Moi j'ai trop envie d'aller voir ce que va faire ma soeur. Sophie! Sophie, tu es là? Oui. Ah, quand même, tu me réponds. Salut, comment tu vas? Ouais, trop bien, et toi? Je vais
super sympa, franchement. Venir avec toi au cinéma? Ouais. Pour voir Cendrillon 3? J'espérais Cendrillon. Mais tu crois que j'ai que ça à faire, moi, de venir avec toi aller voir Cendrillon 3? S'il te plaît, s'il te plaît. Mais c'est trop la honte pour moi. Mais laisse tomber. Débrouille-toi, t'as qu'à te débrouiller, je sais pas, demande à quelqu'un d'autre. J'aimerais bien aller à la patinoire.
Mais pour ça... Eh ben, ça me fait de très belles jambes, ça. Mais tu sais, pour ça, mamie, il faudrait 20 euros. C'est possible, mamie, tu me donnes 20 euros? Quoi? Tu oses me demander 20 euros? Mais j'hallucine! Oh là 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 là! J'ai jamais entendu un petit insolent pareil! Sors de ma maison! Mamie! Mais je suis ton petit-fils, quand même! Tu vas pas me laisser comme ça! Un petit-fils, il ne fait rien pour sa famille! Sors de ma maison, je ne veux plus te voir! Oh. Allez, va-t'en! Cette jeunesse, où va le monde? Où va le monde? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans l'histoire que vous avez entendue là? Oui. Ouais, hein, des fois, on veut être l'ami de quelqu'un, mais en même temps, eh ben, on est l'ami jusqu'à un certain point. Mais arrivé à un certain point, ben, on n'a plus envie de prêter, on n'a plus envie de donner, on n'a plus envie de. Et ça s'appelle l'égoïsme. Et puis, il y a un troisième point qu'on a vu hier. Qui était la peur. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Hein, on l'a vu hier, eh bien qu'il avait peur, que l'ami avait peur d'emmener le paralysé au pied de Jésus parce qu'il avait peur de la foule, peur de monter par les escaliers pour arriver sur le toit, peut-être qu'il avait le vertige. Hein. Mais en tout cas, il y a plein de peurs qui peuvent nous empêcher à faire des trucs qui sont chouettes et être l'ami de quelqu'un. Mais écoutez l'histoire qui suit. Joyeux anniversaire. J'ai trop peur. Il est où? Il est passé où? Ah, il est tout en bas.
crois qu'il est bientôt arrivé. Oh, c'est trop haut. Je ne veux pas sauter. Non, monsieur, je ne veux pas sauter. Non, je veux rester là. Tant pis pour mon rêve. Tant pis pour ce qu'on pensait pendant tout le temps. Ça allait être super. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Non, monsieur, je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà, la peur peut vous paralyser, hein. Peut vous empêcher de faire certaines choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément que vous sautiez en parachute, hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de sauter en parachute pour prouver que vous n'avez pas peur. Mais il y a plein de petits trucs comme ça qui font que parce qu'on a peur, eh bien, il y a des choses qu'on ne fait pas, ou qu'on ne peut pas faire, ou qu'on n'arrive pas à faire, et puis on n'arrive pas jusqu'au bout de nos rêves. Mais Dieu veut aussi enlever ses peurs. Et puis enfin, on va voir la dernière, la faiblesse. On va parler de la faiblesse. Écoutez l'histoire qui suit. Ouais, je sens que ça va être trop de la journée. Ça va être vraiment trop bien. On s'attache et on s'empêche. Ouais. Et qu'il pêche et s'usine. Salut Sophie, tu chantes vachement bien. Ouais, merci, merci, c'est trop gentil. Ouais, moi, je sais vraiment bien chanter, moi. Merci, tu chantes bien. Non, j'ai une drôle de voix, moi, t'es toujours jamais voix cassée pour ici. Mais non, tu chantes trop bien, t'es trop belle. Ah oh, ouais, t'es gentil. D'ailleurs, comme t'es trop belle, j'ai vraiment envie de me promener avec toi cet après-midi. T'as trop envie d'aller à la patinoire. Mais moi, je sais pas patiner. Mais si, tu sauras patiner, ça s'apprend, hein. Mais tu sais, moi, j'ai toujours du mal à apprendre. On m'a toujours dit que j'y arriverai jamais à rien faire. Alors patiner, pour moi, c'est de toute façon impossible. Mais moi, je t'apprends, si tu veux, je t'aide, hein. Mais... Non, 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 j'ai pas envie. Oh là là. Ouais. Bah alors, Maka, dis-le-lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je réfléchis. Tu vois, tu arrives à réfléchir, une des blondes. Qui c'est qui s'est reconnu dans certaines de ses faiblesses?
Des fois, on se reconnaît, hein, parce qu'on a eu l'habitude, peut-être d'entendre qu'on n'y arrivera pas, qu'on est nul, qu'on ne saura pas le faire. Et alors, ça crée des peurs, ça crée des faiblesses. Et alors, le résultat, c'est que ça nous empêche de faire certaines choses.